you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour un haul AliExpress. Je vous ai fait une petite boîte avec tous mes achats AliExpress. Donc à chaque fois, je vais vous donner le prix ici et comme d'habitude, en barre d'infos, le vendeur, si toutefois le lien est encore actif. Donc on va commencer par cette wrap shawl en fait pour les pieds tout simplement. Et moi, le souci que j'ai avec ces trucs-là, c'est que quand on les met en route, alors elle roule bien sur le cou, et puis quand tu les poses sur les pieds, elle s'arrête quoi. Donc je sais pas si la vraie ça fait pareil, mais celle-là je l'ai pas eu très cher, je crois que j'ai eu pour 8 euros. Mais bon, la vraie coûte 37, donc à la limite je préfère faire avec celle-là plutôt que avec celle à 37 si toutefois le résultat était le même. Donc ensuite j'ai reçu ma Keton, voilà, en 100 granules, enfin en 100 capsules de 500 mg. Donc visiblement il en faut un matin, midi, un soir, donc je verrai bien un petit peu ce que ça donne. Et là visiblement j'en ai pour un mois seulement, donc je verrai bien un petit peu. Je verrai déjà ce que ça donne sur Sébastien, et puis je verrai bien sur moi quoi. Ensuite j'ai un bandeau pour les cheveux que je voulais pour faire les soins, etc. Je l'avais commandé en noir, il est arrivé en bleu, mais bon du coup... J'ai pas fait attention et c'était bien marqué que ça arriverait si on spécifiait pas la couleur dans une couleur complètement au hasard. Donc je peux pas me retourner trop vers le vendeur parce que voilà, ça le ferait pas. Je suis quand même honnête donc. Ensuite, j'ai pris un lot. Alors excusez-moi pour le bruit. Un lot de miroirs comme ça pour je sais pas où, la salle de bain, je verrai bien. Sauf que en fait c'est pas des vrais miroirs, c'est déformant, c'est pas beau du tout. Donc ouais, pour une déco murale où t'as pas besoin de te regarder dans la glace peut-être. Mais sinon pour vraiment le format miroir, c'est même pas la peine. Donc mitigé pour ce produit. Ensuite j'ai commandé des craies pour faire du hair shalk. Donc voilà quoi, c'est pour colorer les cheveux. Donc je vous ferai certainement... Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto de la manière dont ça s'utilise. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris des strass pour les cheveux à... J'allais me mettre tout ça dans l'œil. Plus d'œil. Plus de z'œil, hein, les fifilles. T'es borgne, les fifilles. Alors là, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est des strass que l'on vient fixer au fer à lisser sur le cheveu, qui sont censés rester sur le cheveu pour un effet voilà, strassé paillette. Donc je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce que je m'en suis commandé? Il y a quoi d'autre là-dedans? Alors, ça, je me suis commandé ceci. Alors, vous ne saurez peut-être pas ce à quoi ça correspond. Ce sont des chandelles auditives. Alors, mesdames et mesdames, que sont-ce les chandelles auditives? Non, ce sont des chandelles, enfin des bougies que vous allumez, en fait, que vous mettez dans votre oreille et vous allumez l'autre bout. Et en fait, c'est censé aspirer le cérumen pour éviter qu'on ait les cotons-tiges et toutes les choses superflues qui rentrent dans vos oreilles et qui vous dommagent les tympans et tout ce qu'il y a dedans plutôt qu'autre chose. Sachez que moi j'ai un problème au niveau de la trompe d'Eustache et du coup j'ai beaucoup de problèmes au niveau de l'audition. J'ai très mal ici, ça fait très mal. J'ai l'impression que j'ai vraiment l'intérieur de l'oreille qui gonfle et ça me fait hyper mal. Et donc ça, ça me permet quand même de nettoyer mes oreilles sans me dommager encore en plus de ce que j'ai naturellement comme déformation au niveau de la trompe. Donc on verra bien. Ensuite j'ai pris un petit filet comme ça de bain.
Ça se ventouse dans la salle de bain, c'est pour mettre les jouets d'Hugo. Parce qu'ils traînent partout, par terre, dans mes tiroirs de beauté, tout et tout. Et franchement, deux canards entre deux rouges à lèvres, c'est totalement plus possible. Donc là, ce sera accroché au carrelage de la salle de bain. Et comme ça, ce sera rangé. Et vu qu'en ce moment, vous connaissez mon envie de rangement. D'ailleurs, derrière, vous avez vu, j'ai un nouveau meuble. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont changer dans le décor, etc. Vous l'avez peut-être déjà remarqué. Mais bon, pour l'heure, j'essaye de tout réaménager pour que ce soit agréable pour moi, pour vous, pour tous. Hein, et on verra bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Je vais déballer. Alors je me suis commandé deux autres Mimoneda pour... donc c'est des jetons à mettre dans le collier, vous savez, qui se personnalise. Donc là, en fait, il y en a un blanc et un noir avec des strass et des perles. Mais je pense pas que vous verrez quoi que ce soit. Ah si, ça fait un peu la mise au point là. Voilà. Donc ils étaient pas très chers dans tous les cas. C'est vrai que je me doutais pas que ça rendrait comme ça, mais finalement c'est pas mal. Ensuite, je me suis pris quoi? Voyons voir. Je me suis pris une coque. Mais au final, il y avait quand même un... Je sais plus dans quel, chez quel vendeur c'était. Il y avait la coque. Ah, je sais. C'était... je ne l'ai pas là. Mais je vous mettrai une photo ici de la coque que c'est. Et il venait avec un petit embout voilà, multicolore. Moi, il est bleu, je crois. Et une protection d'écran. Donc ça, c'était super parce que ça coûtait pas cher. La coque est mignonne. Le petit embout, il est rigolo. Et franchement, ça valait vraiment le coup. Je vous recommande cet article parce que honnêtement, là, elle est sur mon téléphone, la coque, et je ne la quitte plus depuis. Alors par contre, il y avait ça dedans, mais je sais pas à quoi ça sert. Je suppose à poser correctement le film plastique. Mais du coup, je ne sais pas. Ensuite, je vais continuer avec des coques de portable. Alors, j'ai pris cet éléphant. Mais dans tous les cas, jamais très très cher. C'est vrai qu'elle est pas mal. Bon, après, ça reste une coque. Une coque, quoi. Voilà. J'ai été un peu déçue, mais... Celle-là, ouais, j'ai été déçue parce que vu qu'elle est transparente, on voit pas le dessin qu'il y a dessus. Donc là, je vous le mets correctement. C'est un petit garçon, une petite fille, avec des cœurs et tout, et tout, et tout. Et puis, il y a un gros... Je sais pas comment on appelle ça en fait. C'est des fleurs de pissenlit. Quand on souffle dessus, non, pas de pissenlit. Si, c'est du pissenlit ou quand on souffle dessus, ça s'éparpille. Non, parce que les fleurs de pissenlit, c'est jaune. C'est quoi, bébé, les fleurs où quand tu souffles dessus, ça s'éparpille? Donc on ne sait plus, que ce soit lui ou moi, on ne sait plus. Des pissenlits, mais... Bah non, les pissenlits, c'est jaune. Je sais pas, je sais plus, je suis perdue. Donc voilà, donc on a essayé de trouver, mais on ne sait pas en fait. Ensuite, j'ai cette coque Tomorrow will be a better day, parce que quand c'est les mauvais jours comme aujourd'hui, parce que... Aujourd'hui, mesdames et mesdames... J'ai reçu la taxe d'habitation cumulée à la taxe audiovisuelle qui, franchement, pour ce qu'on a regardé... Bon, la taxe d'habitation, encore, ça va. Mais vous, chez vous, si vous avez reçu la taxe audiovisuelle, mais ils vont où, là? Il n'y a rien à regarder le soir à la télé et ils te pondent une taxe à 136 euros. Et ils sont malades, hein? Ils sont malades. Franchement, j'ai halluciné. Donc, bah, c'est tout. Je demanderai un échelonnement du paiement parce qu'à ce tarif-là, voilà quoi. Donc ça, c'est 136 sans compter la taxe d'habitation. Hein, voilà. Et moi, j'habite à Reims. Donc voilà quoi. Je suis pas au fin fond du cul du trou du monde de la campagne. Donc je vous donne pas la somme. Mais bon, vous verrez bien. Donc voilà. Ça tombe bien pour dire demain sera un nouveau jour. Sera un meilleur jour, pardon. Donc du coup, j'ai bien aimé. Et... non mais aujourd'hui c'est a bad day, very bad day, c'est une très mauvaise journée pour moi. Ensuite il y a cette petite coque, donc là en fait ils mettent toujours un, comment dire, un sticker à retirer, hein, mais du coup la dame, voilà quoi,
En gros, c'est ton téléphone, il y a un trou, quoi. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça super joli, avec un tatouage, la dame, elle a. Non, ça s'appelle pas un tatouage, c'était un tatouillage. Donc, elle a un petit... Mais son rouge à lèvres est trop magnifique. Regarde. Je vais finir la vidéo comme ça. Oui, bonjour, c'est moi. C'est la vie en rose. Parce que j'ai les lèvres roses. Non, mais sans déconner, cette coque, elle est trop, trop belle. Et j'en ai une autre, mais avec un rouge à lèvres rouge. Et toujours des tatouillages. Je peux essayer de faire pareil, mais ça fera pas la même tête. Je suis beaucoup moins belle que la dame. Voilà, et ensuite, j'ai pris cette coque. Ça veut dire « muh, I'm a fish ». Genre c'est « muh, je suis un poisson ». Truc qui est vachement crédible, mais je l'ai trouvé trop mimi et donc ben, je l'ai pris et en plus elle était pas chère. Donc voilà, vous aurez compris que c'est pas la joie aujourd'hui, hein. Franchement, je garde le moral, gardons le moral, mais voilà quoi. Donc ensuite, ben, j'ai reçu quoi d'autre? J'ai reçu un collier qui franchement est décevant. Il est très joli, hein, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais seulement, il est censé briller dans le noir. Et en fait, il brille pas du tout dans le noir. J'ai essayé de le mettre à la lumière, tout ce que tu veux, mais ça brille pas dans le noir. Donc ouais, il est joli, c'est une petite fleur. Elle est très jolie, hein, il n'y a pas de souci. Mais ça brille pas dans le noir, quoi. Donc j'étais déçue et puis du coup, ben, j'ai demandé à être remboursée parce que j'ai fait une photo dans le noir. Et je lui dis, voilà, on voit pas du tout, ou dans la pénombre, et on voyait pas du tout le produit. Donc du coup, il a été remboursé, le collier. Parce que c'est pas normal qu'ils te vendent un truc qui est censé être phosphorescent, et qu'en fait, c'est pas phosphorescent du tout. Donc voilà. Et puis, après, donc ça, je peux pas vous le montrer, parce que ça, c'est votre cadeau. Votre cadeau de quoi? Parce que je vais faire une vidéo, après, pour vous donner un cadeau. Mais un cadeau quoi? Un cadeau, vous aurez pas le droit de le savoir. Donc voilà, après j'ai reçu ce collier. Alors, ce collier est gigantesque et il rendait pas du tout comme ça. Alors excusez-moi pour le bruit parce que c'est une catastrophe. Qui donne ça, le pendentif. Alors il est, en soi il est très beau, hein, mais il est énorme. Dire jamais de la vie, je peux porter ça. Sur la photo, je pensais qu'il était petit, enfin que ça ferait petit, élégant, voilà quoi, fin. Mais en fait, c'est pas fin du tout, ça fait plus grosse breloque, quoi. Donc, je suis déçue. En plus, c'est du strass collé, c'est pas du strass serti. Donc, ouais, j'ai un gros bémol à apporter à ce produit. Donc, je ne le recommande pas forcément. Mis à part, si vous cherchez vraiment, par exemple, un sautoir qui soit long, dans ce cas-là, voilà, quoi. Et avec un gros pendentif comme ça. Donc, il y a la chaîne qui va avec, mais je ne l'ai pas déballée. Parce que déjà j'étais déçue du pendentif, donc j'allais pas encore déballer un truc qui allait pas me plaire. Pour finir, je me suis pris un pendentif comme ça que j'avais vu sur une chaîne de je sais plus qui est un sautoir. Il est joli en soi, mais je suis déçue parce que je le pensais pas comme ça. Et je crois que je l'avais pris en gris et il est venu en noir, enfin en gris foncé, quoi. Et du coup, bon, ça va, la chaîne est longue, ça fait vraiment un sautoir. Mais non, je suis déçue, je voyais pas ça comme ça, regardez. Si vous... Ben, il est beau, hein, mais c'est pas mon style, quoi, c'est pas, je sais pas, c'est pas ce à quoi je m'attendais, peut-être, et du coup, je suis un petit peu déçue. Mais bon, après, ça reste du AliExpress, ça reste du pas cher, donc on va pas se plaindre, mais non, quand même pas. Si j'avais su, j'aurais pas commandé. Mais bon, l'image est trompeuse, y compris les caméras, parce que du coup, je l'avais vu sur donc une fille qui le présentait et ça rendait pas comme ça du tout. Ensuite, j'ai pris un ensemble. Donc, vous savez que j'aime les pattes Fimo comme ça, avec des strass. Donc, je sais pas si vous verrez correctement, parce que si tu arrêtes. Donc, j'ai pris le collier et les boucles d'oreilles qui vont avec. Donc, en soi, ils sont super jolis. J'ai pris en blanc. Bah, je vais pas vous les sortir, ça sert à rien. Hein. De toute façon, les blanches, je les ai déjà portées, elles sont bien. Hein. Donc j'ai pris boucle d'oreille blanche et collier blanc. Et j'ai pris
collier saumon, boucle d'oreille saumon. Voilà. Mais pareil, hein, ils étaient pas très chers, honnêtement. Voilà, je suis contente parce que ça fait la blague. Et puis c'était pas très cher. Donc voilà, bah, c'était tout pour mes achats AliExpress. Hein. Je sais que j'en fais souvent, mais du coup, vous me demandez régulièrement de voir ce que j'ai commandé. Donc du coup, quand ça arrive, je mets tout dans une boîte. Ou si ça arrive en masse et que je peux catégoriser, je le fais. Notamment là, les dernières vidéos avec les boucles d'oreilles, les colliers, tout ça. Mais quelquefois, je ne peux pas parce que je n'ai pas assez d'articles qui tombent. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous embrasse bien fort. Puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose. Ciao. Are you listening?